Bien, salut à toi tous les potes, c'est Power16, j'espère que vous allez bien. Comme ma part, ça va très très bien les mecs. Donc là les gars, donc on se retrouve pour un petit gameplay sur un jeu qui s'appelle Total War Arena les mecs. Donc ça a été créé par Creative Assembly, ceux qui font Total War en partenariat avec Wargaming, qui font les World of Tanks, Warplay, World of Warplane, World of Warship, et j'en passe, enfin j'en passe pas en fait, c'est les trois en même temps. Et en gros là c'est la bêta fermée les gens, donc la bêta fermée est ouverte depuis le 12 février. En fait, elle a duré une semaine, je crois. Elle devait durer, ouais. Non, même pas du 12 février, non, elle était ouverte depuis le 10 février. Non, je dis de la merde, depuis le 2 février, je crois. Enfin, tu sais quand est-ce qu'elle a été ouverte? J'ai une idée. Ah oui, j'ai oublié de présenter celui avec qui je suis. Dans ce petit record. Bienvenue. Ouais, mec, donc là, je vais présenter un peu le jeu et après, on fera une bataille avec Snai, on ira vraiment dans le vif du sujet. Donc, les mecs, je sais plus, putain, je sais que là, en fait, les mecs, quand ça sortira, normalement, ça sera un lundi, normalement. En gros, ça fait 2 semaines que le jeu était en bêta fermée. Et nous, en fait, on a réussi à accéder à la bêta fermée avec des codes. Et pour ceux que ça intéresse, le jeu sera en bêta ouverte à partir de jeudi, en fait. Et après, il sortira, parce que c'est un jeu qui sera gratuit, sera free to play, parce que c'est un peu comme un World of Tanks et tout. Donc, les mecs, voilà. Donc, en gros, tout pour commencer, en fait, vous commencez, c'est un peu un Total War. Ceux qui ne connaissent pas Total War est un putain de jeu de stratégie du turfu. Je vous ferai peut-être un gameplay sur un autre Total War solo un jour. Mais Arena a la particularité d'être multijoueur. Donc, les mecs, je vais d'abord vous montrer les commandants. Donc vous voyez que vous avez 3 factions, vous avez l'Empire Romain, la Grèce et les Barbares. Et en fait à chaque fois que vous avez en fait différents niveaux en fait, hein. Vous voyez que ici vous avez à chaque fois des nouveaux commandants qui ont chacun des atouts différents. Là il y a Jules César, là il y a Sinaï, Léonidas, Alexandre le Grand, là il y a Boudiver, Saint-Gétorix et tout. Vraiment vous avez plein de trucs différents, mais sachant que là c'est que la bêta fermée les mecs, donc c'est que la bêta fermée, vous pourrez y jouer jeudi, parce que le jeu sera en bêta ouverte pendant un petit moment je crois. Et donc en gros voilà, donc en fait vous avez vos commandants, ils ont chacun des atouts particuliers, et vous pouvez monter de niveau en fait. Et en gros quand vous montez de niveau, enfin forcément vous débloquez d'autres choses, là vous voyez qu'il y a des atouts qui sont disponibles que au niveau 3 ou au niveau 5. Là vous allez avoir des informations, une petite histoire sur votre commandant en fait tout simplement. Et après vous avez les unités, donc voilà les unités en fait les mecs ça marche par groupe de 3. Donc tu peux nous expliquer comment marche le système d'unités. Donc non il n'y a pas 3 groupes d'unités. Au début. Y a pas 3 groupes d'unités. Bah alors au début, donc on commence du coup avec les... ça dépend en fait. Ah oui non t'as raison, ok je viens de comprendre ce que je voulais dire. Ouais il y en a 3, donc il ouais. Y a soit la cavalerie, donc tout ce qui est... Voilà. À cheval, nous avons tout ce qui est donc à distance, donc tout ce qui est archer, arbalète, javelot. Et on ouais, a tout ouais, ce qui est comme vous voyez que ici j'ai un javelinier ou infanterie. Les mecs, pour ceux qui savent pas, c'est des soldats au corps à corps. Genre, vous voyez que si j'ai des peptides et j'ai des tyrones, donc c'est qui j'ai déjà vu des javelots, et là c'est des mecs au corps à corps. Et en gros, vous voyez que en fonction des rangs, en fait, je peux débloquer des nouvelles armées, des milices. Ici je peux même débloquer des catapultes, mais faut débloquer avec de l'XP et le rang de votre commandement, parce qu'en fait mon commandant, en fait les mecs, le rang de votre commandant impacte aussi beaucoup. Comme mon commandant est que level 1, je peux accéder qu'au truc de level 1, et plus il augmentera en level, plus je pourrai accéder à des rangs hauts jusqu'au rang 10 où j'aurai vraiment des trucs du turfu. Mais je suis pas sûr que tout le monde peut avoir accès à la... Ah si, en fait, si on peut pas avoir accès à la cavalerie. Donc les mecs, voilà. Après, vous inquiétez pas, vous choisirez en fait votre commandant au début. Mais vous pouvez en changer autant que vous voulez. Hein. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de restriction là-dessus. C'est vraiment changer à votre guise. Après, les mecs, vous avez... Donc forcément, en fait, ça marche par 3 groupes. Enfin, 3 groupes. En gros, quand vous partez en combat, vous avez le choix à... Vous pouvez prendre 3 groupes, en fait. Moi, j'ai pris 2 peptides au corps à corps. Pas des peptides. Des pédites. Et un tyrone. En fait, j'ai... Pour faire un peu l'équilibre entre à distance et corps à corps. Et vous voyez que par exemple, pour chaque unité, en fait, vous avez un arbre de compétences. Donc après, les mecs, forcément, parce que si vous améliorez à fond les pédites et qu'après vous avez accès à ça, forcément l'arbre de compétences ne sera pas le même. À ça, je parle. Je dis ça. Forcément, l'arbre de compétences ne sera pas le même. Donc je vous conseille pas forcément de balancer tous vos points dès le début dans vos unités de base. Parce qu'après, forcément, vous aurez des meilleures unités et vous repartirez à zéro dans l'arbre de compétences. Donc forcément. Après, vous avez des stats en agression et tout. Ils ont chacun des capacités spéciales. Cosmétiques ou ouais, ça, en fait, c'est avec de l'or. Donc c'est du vrai argent. Donc bon, c'est un peu useless. Et après, les mecs, voilà. Après, vous avez l'arbre technologique hein, qui, en fait, tout ça, c'est, on va dire, ça vous permet de faire ça dans tous vos... Putain, merde, je sais plus ce que j'allais dire.
Ah mais les mecs, je dis de la merde, putain, parce que les mecs, excusez-moi aussi, hein, je viens à peine de découvrir le jeu, j'avais que quelques parties, mais en fait l'arbre de compétences, je crois que c'est pour les unités en fait. Ah oui, ok. Bah, alors, ça, je peux expliquer si tu veux. Donc, Vas-y, admettons, explique. clique sur. Je vais aller sur le même truc que toi. Donc, admettons, clique sur tes pédites. Ouais. Donc, pour aller jusqu'au truc, en fait, t'es obligé donc d'avoir le glaise usé, donc qui coûte 300 d'XP. Ah donc j'ai Et. dit de la merde en fait. Ouais, en fait, t'es obligé de tout faire avant. Ah oui. Ah, donc je vais me corriger, j'ai dit une de ces merdes. Ouais. Ah oui les mecs, excusez-moi, putain. Mais les mecs, je viens de commencer à jouer, je m'y connais pas du tout, je m'y connais Je pas du viens tout. juste de Ah oui en calculer en fait. fait. Ouais, mais en fait j'avais pas vu, mais en fait les mecs là vous avez un arbre. Et en gros ça comme je vous ai montré, c'est ici en fait. C'est ici en gros, genre plus vous avancez dans les rangs, plus vous avez des meilleures unités. Et en gros l'arbre technologique, en fait, ça augmente les unités. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir cette unité-là, il faut d'abord que vous améliorez votre épée, vos épées, après les casques, pour ensuite avoir accès à cette unité-là. Donc les mecs, n'hésitez pas à améliorer vos unités de base. C'est même obligatoire pour débloquer les autres. Excusez-moi, j'ai dit une merde totale, donc faut vraiment, faut améliorer cela pour débloquer les prochains. J'imagine que c'est comme ça avec tous. Là, vous voyez que l'arbre de compétences est vraiment super gros. Et en fait, ça se paye avec de l'XP, de l'XP. Et à part que certains trucs que vous pouvez avoir avec de l'argent. Donc l'argent, c'est bah, l'argent que vous gagnez in-game. Et l'or, c'est. T'es sûr que l'or, c'est bien ce qu'on gagne, enfin ce qu'il faut payer. C'est bien ça? L'or, ouais, l'or c'est ce qu'il y a avec de la vraie argent, ouais. Ok. Donc après les mecs, vous voyez que forcément, après par contre, genre là j'ai l'impression, ouais. En fait, quand vous améliorez les unités, ça marche pour tout la faction, hein, pour tous les Romains par exemple, ça marche pour tout en fait. Vous n'avez pas à vous inquiéter de vous dire, ouais, mais si j'améliore tout et qu'après je veux jouer avec Jules César, vous inquiétez pas, vous pourrez jouer avec Jules César avec la même armée, c'est pas un problème. C'est juste que vous aurez des atouts différents, on va dire. Et après forcément, bah j'ai plus rien à ajouter, hein. T'as un autre truc à ajouter? Non, franchement non. Après les mecs, on connaît pas énormément le jeu, donc après je sais que ici vous avez des petites capacités que vous pouvez jouer, que vous pouvez utiliser, dû à votre commandant, enfin voilà. Donc les mecs, on va pas tarder, on va tout de suite lancer un petit combat. Donc les mecs, là c'est la bêta fermée, donc moi et Sney, on a un peu testé le jeu et on a vraiment bien kiffé. Donc je pense on va y jouer, y'a moyen. Donc vous voyez qu'après les mecs, vous pouvez aussi aller dans le social pour voir vos amis et rentrer dans le même groupe. Donc les mecs, ça marche par des combats 10 contre 10, enfin 10 joueurs contre 10 joueurs, du coup 30... 30... peloton contre 30 pelotons. Donc après les mecs voilà, hein, donc ça marche un peu comme les jeux Wargame, c'est-à-dire que vous pouvez jouer. Ça, le jeu ressemble vraiment énormément à World of Tanks ou tous les jeux comme ça. Donc on va jouer, vas-y je lance un truc contre l'IA. Donc après les mecs, voilà, donc ça ressemble de ouf à World of Tanks, vraiment, pour moi je trouve que ça ressemble de ouf. À part que si vous aimez le jeu de stratégie, et si vous aimez jouer avec vos potes, le jeu sera free to play, je tiens à le rappeler aussi. Vraiment, vous voulez vraiment vous faire plaisir. Hein, t'en penses quoi toi? J'en pense que il faut que je relance mon jeu. Ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comme je buguais, je suis passé sur ma 4G, tu vois. Donc mon Ouais. compte il s'est désynchronisé. Oh putain, bah j'annule du coup, hein. Et aussi les mecs, bah après je tiens à m'excuser parce que le jeu est sorti, enfin la bêta est sortie il y a longtemps, hein. Enfin si le début de semaine, début il y a 2 semaines. Mais malheureusement, enfin je voulais en faire une avant, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Donc là on l'a fait là, hein, le dernier jour de la bêta fermée. Parce que l'on est dimanche et ça ferme dimanche. Parce qu'en fait, là, les mecs, le jeu, le serveur sera en maintenance lundi, mardi et mercredi pour ouvrir jeudi en bêta ouverte, tout simplement. Donc là, t'es toujours pas là, là? J'y suis bientôt. Et le mec, il y a vraiment moyen, genre, d'améliorer tes unités à fond, que ça peut être carrément Ouais, stylé, ça peut. mec. Non, en plus, mec, tu. En fait, il change carrément de casque et tout, d'armure. Bah Au départ, ouais, en c'est fait, t'as comme. des grosses victimes. Mec, tu trouves pas que ça ressemble de ouf à World of Si, mais Tanks? si, mais en fait, ça ressemble de ouf. Bon, sauf pour le combat. Mais sinon, ça ressemble de ouf parce que c'est exactement la même chose, en fait. Ouais, je sais, bah ouais, je vois. Rien que le bouton jouer, mec, c'est le même. C'est bon, je suis avec toi, vas-y. Attends, C'est clique bon? sur jouer. Vas-y. Ah, nickel, vas-y, relance. Vous voyez que les mecs. Bah c'est bon, j'ai lancé. Hein. Ah, ok. Vous voyez les mecs que là, même en fait, ça ressemble énormément à World of Tanks, comme on disait avec Snay, même le bouton, c'est le même que World of Tanks. Donc forcément, les mecs. Après, vous inquiétez pas si vous avez jamais joué à un Total War. Vous avez un didacticiel au début. Donc vous inquiétez pas, franchement. Après, forcément, je vous conseille de commencer face à des IA, de pas jouer face à des vrais joueurs tout de suite, parce que ça va être chaud. Ah non, même nous, hein, on n'est pas très. Enfin voilà quoi, hein, on se comprend.
Donc après les mecs volants, donc ça peut vraiment être cool hein, d'améliorer à mort ces unités. Après les mecs, je vous conseillerais peut-être plus aussi de vous spécialiser à mort dans une faction, soit les Grecs, soit les Romains, soit les barbares, parce qu'en fait vous allez améliorer vos unités de ouf, et si après vous changez de faction, bah forcément vous allez devoir tout refaire. Ce qui me paraît logique aussi. Ah c'est Ah. bon. Voilà les potes, donc là on est au Capitole, donc je pense que pour la bêta fermée, il n'y a qu'une seule map. Donc Ouais. je pense forcément que ouais, je pense forcément que quand le jeu sera en version finale, j'imagine qu'il y aura d'autres maps. Donc voilà les mecs, donc là on a joué contre des IA, donc c'est que des IA à droite, et à gauche c'est que des joueurs. Comme je vous ai dit, ça marche en 10 contre 10. Donc que vous jouiez face à des vrais joueurs ou face à des IA, ça revient au même. Donc là les mecs, en fait vous voyez que dans votre groupe, genre en fait vos alliés vous les voyez en bleu, il me semble. Et en fait les troupes de votre pote qui est dans le même groupe que vous, genre dans votre groupe, parce que vous pouvez demander un ami à ajouter dans un groupe pour faire des batailles ensemble, ça peut être stylé. Bah en gros lui, il est violet, voilà. Comme sur Store, n'est-ce pas? Ouais. Ah, plus qu'une personne, allez. Ouais, c'est... Donc vous voyez que forcément, bah lui, Je... du coup en fait, ce What? qu'on va faire... Ah sérieux, on peut choisir où on déploie nos unités, mec. Alliance, Vas-y, mais tu te viens, mets sur on se met le ensemble, attends. 7, je me mets sur le 6. Go. Vas-y, vas-y. C'est bon les potes, là vous voyez, là comme Snipe et mon pote, ben, en fait il est en mauve. Voilà. Mais lui Snipe, vous voyez qu'il a trois arbalétriers. En Il n'a pas vrai, de corps à corps. quand on est ensemble, il faut que tu prennes, à mon avis, que des... Des enfin des Ouais, chevaux. au pire. Des que Donc des forcément armes les vides. mecs. Ouais, ok, je vais peut-être faire ça après. Les stratégies, forcément les mecs, les Tu vois là-bas stratégies, l'ennemi? mettre. Voilà. Vous voyez qu'ici, bon après c'est un peu comme un Total War, les mecs, si vous connaissez Total War, je vais pas vous dire ce que c'est. Bah tu viens, Vas-y, viens t'as voir. avancé, On ok. se met Vas-y. ici, viens voir. Vas-y, j'arrive. Donc là les Tu mecs, vas on peut voir trouver. la bataille. Donc après en fait les mecs, vous avez un petit truc jaune ici. Enfin jaune, vous voyez qu'il y a une zone. Bah en gros cette zone, ça signifie que c'est jusqu'où vous pouvez voir en fait. Et au-delà Regarde de cette mes zone, vous soldats où voyez est-ce qu'ils pas. vont. Tu te mets pour me défendre là-bas, à leur droite en Ok, fait, vas-y. tu vois. Vas-y, vas-y. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait là. Vas-y. Là vous voyez qu'en rouge, c'est mes ennemis, hein, les mecs. Waouh. Vous voyez que là mes troupes bah marche. Marche, elle marche. En fait, les trois atouts ici, c'est les trois atouts de mon commandant. Et l'atout ici, en fait, c'est l'atout de chaque troupe. Oh putain, mec, ils sont un peu beaucoup quand même. Hein. T'inquiète. Regarde là, ils se mettent en position. Attends, je vais mettre. Mais tu fais comment ça? Bah en fait, comme j'ai les archers, ils peuvent se mettre directement comme ça, tu vois. Mais moi, je vais faire ça, mec, avec mes. Bah je sais pas, Avec ça dépend, mes archers. c'est ça te le met. Je sais pas. Tu leur tires dessus là ou pas? Là, ouais, regarde. Putain mec par contre. Moi je suis en train de niquer mes alliés là. Mais moi mec, moi j'arrive pas à les mettre en position. C'est normal, c'est parce qu'en fait, à mon avis, c'est parce que c'est les archers. Mets-le sur le bord, je sais pas. Mais Vas-y, c'est bon car mec prends-les ils par sont mis, t'as vu derrière. ils sont mis. Mec ils se sont mis. Vas-y, prends-les par derrière, Apprends les mec. par derrière, mec je te défends là déjà, hein, parce qu'il y a pas mal qui sont en train d'arriver. Hein. Vas-y. Enfin il y a deux pelotons qui. Enfin, ou un, je sais pas. Par contre mes archers qui font rien, ça commence à me saouler aussi ça. Allez, let's go. Mes archers, ils font rien! Bande de sous-merde! Là, en fait, le mec, on voit un petit fight, hein. Donc, en fait, vous voyez que la jauge blanche, c'est le moral. Et quand le moral est tout en bas, bah, les troupes se dispersent, en fait. Et là, comme mes soldats sont deux fois plus nombreux que les leurs, bah, leur moral, il baisse en flèche. Et je pense qu'il va. Ah non, en fait, il remonte. Merde, j'ai parlé trop vite. Mais moi, le problème, c'est que mes archers, enfin, mes troupes, ils attaquent pas. Tes troupes. Ouais, enfin mes troupes, mes archers quoi. Enfin Bah, mes tu les lanciers, enfin prends c'est et t'as pareil juste quoi. à cliquer. En fait, faut que tu les rapproches assez. Ouais, bah c'est ce que je fais quoi, parce que bon, problème. Bon, au pire, les mecs, je vais m'occuper de ceux-là aussi, hein. Comme ça on va être à 3 sur eux. Bon, comme ça, oui, voilà. Donc là, les mecs, vous voyez que je vais lancer un petit coup sur eux. Donc là, let's go, je leur tire des flèches. Là, en fait, vous voyez que l'icône que ça, c'est contact au corps à corps, s'ils sont en train de se combattre. Ouais, voilà, tant tes archers vont go là, mec, il bégaye. Aucune idée. Là, vous voyez que là, ils sont en train de leur lancer des lances dessus. Ils leur lancent des lances, et oui, les mecs, ils leur lancent des lances. Du coup, là, bah, ils sont en train de. Voilà. Donc là, vous voyez en haut les forces alliées restantes et les forces ennemies restantes. Donc, je pense que forcément, on est face à une IA. Donc, bon, là, c'est un peu plus simple, forcément, déjà. Là, vous voyez que mes troupes, ils sont en train de bouffer eux. Moral élevé, unité en confiance. Ça fait plaisir, mec, ça fait plaisir. J'avais vu un moment. On attend que. Ah merde.
Là pour l'instant je peux pas utiliser. Cible unité ennemie, ok. Ok, bon pas malheureusement j'ai perdu pas mal de troupes quand même, hein. J'en ai perdu beaucoup, mais je pense que ça devait être deux pelotons ça à mon avis. Du coup là on voit qu'il y a encore. Ouah, en fait tout le combat il est ici les mecs, attendez, on voit sur la map qu'il y a. Ouais tout le combat est ici en fait, hein, quand tu regardes bien. Ah mais ils sont morts? Ouais, au calme. Ok, Bon maintenant par nickel. contre mec il faut qu'on. On se barre, on bouge. Ouais. Vas-y. Alors, pour voir où est-ce qu'ils vont, mes soldats, tu as juste à glisser ta souris dessus et tu vois où est-ce qu'ils vont. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, j'ai vu, je sais ce Je que vais je fais, essayer de les mec. mettre en position. On va les prendre Ok, par là, tu vas-y. vois. Et comment tu fais pour les mettre en position? Là, tu fais flèche de droite longtemps. Flèche de droite longtemps. Donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai différents atouts, les mecs. Bon, là, pour l'instant, j'ai juste le charge d'infanterie lourd. Mais attends, je vais regarder où est-ce qu'il est, mon commandant. Vous voyez que mon commandant est ici, les mecs. Il est en plein milieu de plein de soldats. Je sais même pas. En fait, t'as juste à cliquer dessus, mais malheureusement, là, ça m'a fait un truc, mec. Ah ouais, elle est là. Putain, bon, ça me l'a loqué, voilà, ça m'avait loqué mon commandant. Vas-y, je te suis, mec. Oh putain, ils sont tous à la base. Ouh là là, et mec, et c'est plus serré que tout à l'heure, j'ai l'impression. Oh! La base Ils ennemie sont pas mal est quand même. bientôt appuyée. Appuie sur A et E pour bien te placer, hein, n'oublie pas. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Là, j'ai pas pensé sur le coup, mais t'inquiète. Là, vous voyez qu'en fait, mes trois groupes forment un peloton ensemble, tout simplement. Fire! Attends, je vais. Là, je l'ai fait qu'il leur lance un truc, les trois. Ah merde, je tire sur mes alliés, Non, mais c'est pas triste. grave, t'inquiète. C'est pas grave, t'inquiète, de toute façon, je m'en bouffe un peu, hein. Là, mes soldats à la lance. J'ai envoyé mes deux trucs. En fait, je les passe devant toi pour qu'ils te protègent. Donc, après, le mec, si vous êtes amateur de jeux de stratégie, bah, si vous êtes amateur de jeux de stratégie et que vous aimez jouer en multi, ce jeu est fait pour vous, en fait, clairement. Rien à redire là-dessus. À droite. À droite, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Putain, mec. T'es prêt? Let's go. Mec, viens, viens, on focus à droite, Oh mec. là là là, ça avance. Mec, faut que tu sois à droite, vite. Parce que là, c'est une mission suicide, sinon, si on focus pas sur la droite. Vas-y, là, je suis en train avec Flavia, Brown, je sais pas quoi. Ouais, non, J'essaie de pas tirer sur mais. tes hommes. Je tire sur ceux des alliés, mais j'essaie de pas tirer sur les tiens. C'est bon, je t'ai sauvé la Ouais, vie. parce que c'est un peu la merde, c'est un peu la merde. Non, mec, tu m'as pas sauvé la vie, là. Ouais, mais Flavia, je l'ai tué. Ok, je suis Non, sur Flavia, il est Didius. corps, là. Didius. Flavia, il est corps, là. Vas-y, Non, mais tue Flavia, s'il te plaît. replie-toi, replie-toi. Je vais Vas-y, lancer vas-y. des flèches. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mes archers sont suicidaires, putain! Putain! Fire! Putain, allez, vite, vite, vite! Oh là là, c'est magnifique. C'est bon, mec. On va les violer. Vas-y, mec. Oh là 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 là. Vas-y, envoie tes unités. C'est bon, mec, je pense, non? Putain, mais. Mec, les archers! Ouais, attends, je les dégage. Mec! Ok. Vite! Oh, c'est bon, nickel, Go nickel. dans. Maintenant, les mecs, on prend possession de la zone. Donc après, les mecs, même si vous êtes 10 potes, genre comme le jeu est gratuit, forcément, les mecs, c'est pas trop compliqué pour jouer. Si vous êtes 10 potes et que vous voulez faire une petite partie, bah les mecs, hein, vous pouvez le faire, quoi, tout simplement. Allez, on prend la zone. Let's go. S'ils sont plus que 27 unités ennemies, ils sont tous là. Ah non, ils sont là aussi. On fait quoi? On rush sur les ennemis ou on. Je sais pas. Attends, moi, je vais envoyer mes. J'ai envoyé mes. Merde. Mes archers les buter. Mais pas mes unités au sol parce qu'ils ont déjà pris beaucoup de vie. Donc voilà les mecs, donc là ils sont vraiment plus énormément. Hein. Ils sont. Mais n'empêche, et tu sais qu'il y a des alliés qui ont quasiment tout perdu. Oh, Hein. j'ai plus de. Mec, il y a Jaï d'Ubicus, il est mort de ouf. Hein. Il est mort le mec Jaï d'Ubicus, tu vois. Oh, t'as éliminé des ennemis. Ouais, j'ai éliminé, ouais. Tu vas avoir 16 à éliminer tel truc. Ouais, donc, ouais, mais tu sais, ouais, y en a un, les gars, il est mort de ouf, hein, Jaï d'Ubicus, Jaï d'Ubicus. Ouais. Bah, Oui! Bon, allez, mec, annihilation. Oh, Damn. c'est pas bon. C'était triste. Ouais, mais j'ai vu la meuf, alors je me suis dit, c'est peut-être moi. Donc, voilà, les mecs, donc, pour gagner, il faut prendre la possession de la base ennemie, tuer tous les ennemis, ou avoir le plus de soldats dans sa faction quand le temps est écoulé, tout simplement.
C'est très simple, mec. Hein. Vous avez... En fait, l'objectif, juste tuer les ennemis et prendre la base. Voilà, les gars. Donc là, on a une petite victoire. Ah, je peux passer le pelletou. Pas loin, mais donc vous voyez que j'ai gagné de l'argent, de l'XP. L'argent, c'est pour acheter des trucs, tout simplement. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. En gros, les mecs, l'argent, j'ai essayé de vous montrer à ce que ça sert. Donc je vais améliorer ça, en fait. Je vais améliorer ça. Et en gros, il faut que je mette 3000 d'argent pour les équiper sur toutes les unités. Donc je vais l'acheter. Et puis voilà les mecs, du coup maintenant je n'ai plus qu'à avoir 1000 de... Malheureusement mon commandant est trop bas pour que je puisse avoir accès à l'unité, mais... Tu sais que j'ai encore amélioré mes trucs au corps à corps. Ah mec. Moi aussi, mais j'ai pas assez d'argent pour Ah, le payer. triste. Moi ils ont un casque maintenant. Et maintenant tu vois, bah, en fait il ne manque plus qu'avoir les unités au-dessus, mais comme mon niveau de commandement est trop bas, bah je dois attendre. Alors moi, je te Donc propose voilà de les jouer mecs, contre les donc... joueurs. Oh, t'es un peu suicidaire, toi, on prend ça, la bête ouverte. Vas-y. Donc voilà les mecs, donc bon, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à dire dans les coms ce que vous avez pensé du jeu, si vous kiffez ou quoi, ou si ça vous intéresse, si vous êtes fan de jeux de stratégie ou de jeux de jeux multi tout simplement, de jeux multi, de gros jeux de bataille multi. Bah les mecs, n'hésitez surtout pas quoi. Donc n'hésitez pas à dire dans les coms ce que vous avez pensé, puis bye, on se retrouve prochainement pour un petit gameplay sur peut-être. Un autre Total War en solo, mais j'avoue que j'ai jamais joué un Total War solo et ça m'intéresse pas mal, surtout genre les Total War Attila, Rome et tout, ça a l'air vraiment ouf. Donc voilà les mecs, donc bye, on se retrouve très prochainement pour un nouveau gameplay. Allez, Bye. bye. T'as dit bye? Non mais t'écoutes rien, hein. Bah écoute, je parlais, bon, allez, bye les potes. Bye. See the type of girl a nigga wish he had. See the type that if you